Salam alaikum di nuyu mbokk teungue ñep ak internet yep di sante yalla même ñu may ñu féké tal bu ko neexon tamit bu ngeen ñu invité duñu may fuñ ko talé bé ñew donc ñu délo suñu borom tiant vraiment une pensée pieuse à tous ceux qui sont partis même si ils avaient la volonté de voir ailleurs des prairies beaucoup plus prospères donc sen yakar bobu tass ñung kay massaw seni wéjour de massaw tous ceux qui ont été traumatisés et qui sont vivants aujourd'hui ñu don tenter mais amna suñu xamné dunduñu déwuñu mais tay presque ñok ñi dem ñoyam donc déjà comme pour être dans le contexte quand même du sujet ñu génné ñoñu défal len ñaan suñu borom atté len nak ci yermandem. Donc merci beaucoup et bonsoir à tous les panélistes aussi di am mbekté tok kilifa yi ñu ngi fi invité machallah merci voilà donc merci pour cette pertinente question et qui est d'actualité donc tay boron xol cause yi mën nga ko frampaté ba ci 5 ba 10 causes mais dang koy regrouper en famille dafa am des causes environnementales du moins donc un environnement hostile à une jeunesse en perte de repère. Mën nga jël des causes éducationnelles parce que amna keur yo xamné bu doon taw ay xal sax nit du fa gënd dem immigration parce que dañ leen yar ci xaar dañ leen yar ci patience yar leen ci né alal du moy tax nit tekki yar ñu leen ci yakamti koku cause éducationnelle la yenen cause yi mën nga wax l'employabilité ak emploi parce que dañ leen di bolé employabilité ak emploi bokul donc ñu ngi wax liggéey mais fep fo gis ci aduna. Mais boy jël nit li fa am ben profil même un mécanicien aujourd'hui dafa am profil donc profil boy c'est un profil déjà baxul parce que bo bëggé yow top nawitan ak football sport entraînement salle ba sa heure bëgg liggéey jot nga né da ngay liggéey mais fan ngay liggéey ak kan mo lay employer donc il y a un problème d'employabilité des jeunes il y a un problème d'emploi mais il y a aussi un problème d'employabilité des jeunes par rapport à l'emploi chaque fois da ngay dégg ci panel yi ñu nane état mais il y a partout au monde amul ci aduna un état employeur ça n'existe pas c'est révolu depuis les années 80 c'est ce qui a amené la privatisation si on attend l'état mu tay mu andi mu jël nit ñi nan état dafa recréer emploi l'état ne crée pas d'emploi il y a aucun état au monde qui crée des emplois à part la fonction publique qui aujourd'hui elle est saturée dafa saturée dafa sax trop plein parce que tay bo xolé teungay ñu mu tardé ñu bëgg wax teungay dafa tardé mais teungay dafa tardé parce que budget de fonctionnement bi budget mon engloutir budget d'investissement bi parce qu'il y a un pléthore d'employés donc aujourd'hui je pense que meun nañ fi yendu ci cause yi mais l'état daf ci am responsabilité bu nga xamné moy mauvaise privatisation parce que ñu ngi commencé youxu manque d'emploi biñu commencé de privatiser yenn employés tuba bi bimuy dem daf ñu bayil ñu hériter mais des entreprises ñu xex la sénégalisation des postes de DG lu mu andi mais entreprise pas faillite état bëgg capitaliser wat encore jëlat xaaliss investirat ci pour mu dox donc état gisu ci bopam état lan lay dundé comme nos états qui sont assez pauvres lan lay dundé taxes portuaires taxes maritimes taxes ak toutes les autres taxes état bi ben instant dafa soxla won xaaliss mais mu jël ay actions am jaay ko tay France dégage tous ces gens là qui demandent à ce que ces européens là quittent soit ñu dem seen yoon mais ñooñu dañoo fekk des boîtes yu sox état mënu ko recapitaliser le secteur privé national est morbide mais ñu ñoo def ci seen xaaliss et ça devient rentable pour eux après day am ben genre nga melni ku nekk sa dëkk ba paré amo souveraineté parce que toutes les grandes entreprises ont été privatisées ou bien toutes les grandes entreprises ont été implantées par des privés internationaux. Mais à la longue, tu deviens indépendant économiquement. Donc cela ne résulte pas de politique étatique, mais ça résulte d'un phénomène de mauvaise privatisation de toutes les entreprises aujourd'hui qui utilisent les Sénégalais. Donc vous voulez dire dans vos propos que l'État par exemple, a échoué dans la politique de privatisation. L'État a largement échoué dans la politique de privatisation. Est-ce que cela est une raison qui permet aujourd'hui de braver l'océan pour aller à la quête? Mais il n'y a aucune raison, qui permet à une personne de se suicider. Parce que moi, je me dis que c'est un suicide collectif. Si nous laquons Olof, nous avons des molles, des djoudou, lire, nous devons courir à ce qu'on gagne. Moi, j'ai un an, bifié, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Mais si nous avons des molles, des mecs,
suñu démé bay né 200 mol ñoy lab mais ñi jugé Djourbel ñi jugé fi amul geej mais ils doivent savoir que mais ils n'ont aucune chance parce que bo xolé ci 1000 personnes ñu dem 100 moy rëcc té 100 buñu démé 50 buñu démé Europe ay parasite lañu doon ngandi parasite parasite moy ñun ñi voyager mais bo démé xol conditions yi nga xamné gaay conditions yi lañuy dundé mais togon fi sax moy gën kon donc ñi di dem ci gaay li ñi gëm lo nit ñi nek une fois en Europe vous vivez dans de très bonnes conditions mais ce n'est qu'un blason qui était devenu du plomb depuis fort longtemps ce n'est plus de l'or même l'économie européenne a fait des faillites tay bo démé France man dama don voyage 2009 2010 2011 2012 2013 ba 2020 mais ces dernières années je vois que même mbalit mi UCG biñu wax ni mbalit légui tuba bi dañ koy xëccok nit mais les premières années man bima démé mais il y avait que des négros excusez-moi le terme que des blacks mais qui ñoo don nettoyer gari ñoo don nek ci mbalit mi mais aujourd'hui il y a moins de blacks dans le ramassage du poubelle en Europe donc ñom liguey ñu don bañ sax tay dañ koy nang tay ñom dañu am préférence nationale. Quand deux emplois s'opposent, quand deux nationalités s'opposent à la recherche d'un emploi, mais ils ont la préférence nationale, donc ils signent, ils boxent un taxi. Benen bi aussi, moi, si l'État a échoué, moi, taxi, nga xamné mon rigide emploi au Sénégal, de vétuste. C'est le taxi qui n'existe plus. Mais d'ailleurs, ils ont implanté sa entreprise, n'est que depuis 10 ans, ils ont une rentabilité énorme, pour nous demain, ils ont deux emplois directs ou trois. Sinon, ben registre, moi, fait nek, genre négrier, moi, fait nek, un DRH qui sévit, ak un gardien bo xamné day chicoté gaay pour ñu liggéey ñet ñoo ñoo fay sénégalais ñoo fay am emploi direct mais tout ñi ci dess ñoo dañu dund tout temps donc état bi ci ñaar responsabilité la am l'état ne peut pas créer des emplois l'état a d'autres chats à fouetter que de créer des emplois c'est le secteur privé national la état bi wara dolel alléger taxi yombal yenn ki defal len ay exonération de taxes de à longue durée pour leur permettre ba paré contraindre len à mais ça c'est des formes de sous-traitance à combattre l'eau sous-traitance là d'ailleurs ils ont gagné bien le marché yo donné que ça technicien en génie civil mais nous avons une acquaintance avec Boy mon à son copain là-bas il m'a dit qu'on marchait alors que yo à mon ben entreprise génie civil Boy à son tour d'ailleurs une ben entreprise génie civil dit qu'on marchait. André Genesis Bo, da koy jël marché bi fekk saturé na, fekk il n'a pas les moyens, mu soutré Dakar benn copain bu nga xamné amul liguey. À la longue, mais dañuy dagat gato bi ba ñu ci wara jot sa duñ ci jot. Donc lool mo andi won l'affaire Baratal avec Talibé ak yoy. Donc ça c'est des phénomènes à combattre. Merci beaucoup. Voilà, malheureusement que on n'a pas eu le temps d'intervenir sur beaucoup d'axes. Donc pour prendre le sujet de fond en comble. Mais exemple de fa doy seuk ci woné dara man tay arifisk il y a un jeune qui est là nous tudu entreprise galbache nous tudu hein galage je l'ai connu élève mais suma ko gissé ci réseaux sociaux muy publier ay dal mais dama né voilà l'exemple de quelqu'un qui veut quelque chose liñu war gëna ragal moy à la sortie de ce panel que certaines personnes soient renforcées dans leur conviction qu'ils sont dans la bonne voie dans l'immigration clandestine. Les plus clandestines, bahul. Tout y en bas, clandestinité. Les plus loin, défendent qu'on ne peut bahul. Tu as bien un exemple que mon papa travaille avec nous. Dans une diagonale. Mais sans que ma sœur m'a un peu titillé en disant que Jandy il est à l'aise. Mais exemple. Mais man. Je vais donner deux exemples. J'ai commencé à travailler en 97. De 97 à 2004, tout ce que j'ai gagné. Ci billet d'avion là que jënd ak passeur de 97 98 ba 2004 lepp luma gagné dama ko dan dajalé pour jënd billet d'avion pour am visa les ni défar visa lek nañ sama xaliss de 97 en 2004 ça c'est un exemple bima génn sama corps pape toub nek jugé nek chrétien nek musulman lima yobbu lan la yobbu sidiada la yobbu satala bassang ak kourous. C'était le seul bien que j'ai quitté, que la baille. C'est mon cœur, c'est mon papa, c'était responsable de la carrière, un haut responsable. Ando, ben héritage. Ah, mon héritage, les coumati 20 millions, les coumati dara. J'ai quitté chez moi avec ben Sidiada, ben Kamine, ben Kourous, avec ben Mergado. J'ai fait du gardiennage. Villa Binekfi, en face de la gendarmerie. Gardena 8 mois. Gardena Bachoukoussim.
garde nati alibi. J'ai galéré, demna Saga Sénégal. J'ai bourlingué ma bosse un peu partout. J'ai fait l'armée, j'ai galéré dans l'armée pendant 4 ans. Donc aujourd'hui, Bougn sonne Mogen D. Sonne Mogen D. Nyak am lo jëndé mburu mo gën fébar bo démé hôpital principal tous ces jeunes de 18 à 23 ans à 33 ans ñi fébar barké alcorane kalim bo len doon wéccé dem europe ak ñu wir dañuy tann ñu am une bonne santé. Cette jeunesse, si vous avez une bonne santé, il y a des repères et des références. Youssou Ndour, il est parti de absolument rien du tout. Sa première chanson moy lan li ngay may jagar jagar ñu yor fital ñu yor jasi. Il était dans un environnement hostile, mag ñi diko xërem diko liggéey. Qui est Youssou Ndour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Il y a des self-made men au Sénégal, des gens qui sont partis de rien, qui n'ont pas attendu l'état. Babacar qui décidément Cheikh Amar, mais tous ces gens là qui nous tout le gars de CNTV, il a dit que sama wakar bu ñu am duñu rer. Donc référence ak repère nañ ko japp suñu mam yi nga xamné ñom ñofi nekkon. Mais ki mom sama TV day jaay rer. Il y a des exemples à n'en plus finir. Chers jeunes, ne vendez pas vos vies pour des miettes. Chaque année nous allons en Europe. Il m'a rappelé tout sur Bruxelles. Bo démé pont ou Paris. Bo démé Paris du doxantou. Barké Alcorane Karim da nga nan li ni amul. Mbeuk nañu ba ag. Jaay nañu sen alal sen boutique ba ag. Lepp dëndé nañ ko visa ba ag. Mais na len Yalla neub la fa am. Et puis cette histoire de blason d'un européen qui vient, qui guimbarde avec une voiture. Qui guimbarde avec des bling bling. Di sol ay dalu cher fo ko gisseti fan nga gisseti fan nga gisseti ben auto bu romb yok ko son bi ñu nane ki europe la jugge fan la amati gis nga wax la ñaar 100 maisons yi nga gis ñu tawax ko teungej 80 ñu tok fi diko liggey ñoko mom. Cher jeune, gëm len seen bop. Gëm sa bop moy baña xaar état. Gëm sa bop moy entreprendre. Gëm sa bop moy nga juk ñafé. Gëm sa bop moy bu lo woré ne jang bi bënul nga outil métier. Gëm sa bop moy nga am sa métier ba sa jang bënd nga genn ber sa daara. Bu yalla ñëwé day ñëw fo nek yalla fekkal fa. Donc on vous décourage de prendre cette voie clandestine. On appelle l'état à résolument prendre des dispositions idoines pour arrêter ce massacre. On appelle l'état de l'autre côté aussi à prendre toutes les dispositions idoines pour donner encore de l'espoir à notre jeunesse. Merci.